Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur les crêtes à la Bresse. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a encore de la neige. J'ai demandé aux marcheurs qui arrivaient, là, il y avait des sportifs déjà motivés à 8h30 du matin. Et apparemment, sur les hauteurs, il y a plus de neige, quoi. Donc, c'est cool parce que je suis en short. Voilà. Alors, on est en montagne, je parle pas trop fort pour pas effrayer les oiseaux. Et la neige, elle a tenu super bien. Il y en a partout. Je profite qu'il n'y a pas encore trop de bruit. Je m'étais aussi. C'est le bonheur d'être à la montagne. En plus là, la piste elle est bien tassée, donc même en basket ça va, c'est praticable. Parce que il n'y a pas de neige qui rentre dans les chaussures. Et ouais, là je me régale. En bas en ville, tout est en fleurs et là il y a encore rien qui s'est ouvert. Il y a la neige qui est encore là. Et c'est juste magique. Alors là, je suis à la table d'orientation du ONEC. Donc là, on voit le bâtiment du ONEC derrière moi. Et puis là, je vous montre un petit peu comment c'est joli. D'habitude, moi, le chemin que j'aime bien faire, donc c'est le Castelberg, c'est carrément derrière la montagne ici. Et ensuite, bah, je suis le petit sentier là qu'on voit. Hein. Mais là, on voit qu'il y a encore des petites plaques de neige. Donc, je vais rester tranquille. Je fais une petite vue à 180 degrés.
Là-bas, en fait, on voit le lac de Longemer. Et depuis Longemer, on voit l'Aunec.